que t'as dans le ventre. Aussi blanche que celle d'un amateur. Je savais que vous viendriez. Vous êtes devin. Peu importe qui je suis. J'ai permis votre évasion. Et vous avez retrouvé Yennefer grâce à moi. Vous vous sentez donc redevable. Votre souvenir ne me le rappelle que trop bien. C'est le but recherché. Oh, soit dit en passant, je trouve amusant que même les pires crapules se sentent obligés de s'acquitter de leur dette de reconnaissance. Humains, elfes, nains, toutes les races. Un jour, il faudra m'expliquer ça. Mais revenons à nos moutons. Comment vous en êtes-vous sortis avec les Ophiris ? Vous avez surgi de nulle part. Disparu aussi mystérieusement et invoqué une tempête. Vous êtes mage ? Non, voyons. Je ne supporte pas les sorts. Ces tours d'enfants sont sans intérêt. Ce qui me fascine, ce sont les histoires vraies. La vie des humains. Comme celle que je vais vous raconter.
Elle parle d'un homme de la pire espèce. Un homme méprisable au cœur de pierre. Un homme qui refuse de payer ses dettes. Et en quoi ça pourrait m'intéresser? Je peux savoir? Il vous a aussi causé du tort. Il s'appelle Holger de Von Evreck. Comment savez-vous que je le connais et que je ne suis plus vraiment en bon terme avec lui? Allons, Gérald. Je savais que les Zofuris vous avaient capturé. Pourrais-je ignorer comment c'est arrivé? Holger de Von Evreck a conspiré sciemment pour vous faire tuer involontairement un homme qui aurait pu être soigné. Sans mon intervention, cela vous aurait coûté votre tête. Savez-vous pourquoi il a fait ça? Parce que c'est un monstre dégénéré qui, sous une apparence humaine, se nourrit de la souffrance des autres. Manifestement, vous ne l'aimez pas. Que vous a-t-il fait? Lui et moi avons conclu un pacte, et j'ai dû faire appel à tous mes talents et à mes associés pour lui obtenir ce qu'il désirait. À présent, il est temps pour lui de payer, mais il se dérobe à ses obligations. Je devrais recouvrer une dette. Je ne suis pas un vulgaire mercenaire. Il n'est pas question de ça. Il me faut quelqu'un d'intelligent, un individu n'ayant pas peur des défis. Quelqu'un comme vous. Ce n'est que de la flatterie. Évidemment. Après tout, je suis un marchand itinérant. Mais ne vous y trompez pas, je propose un tas de choses intéressantes. De quel genre? Tout pour satisfaire le corps et l'âme. Vous n'aurez ni faim ni soif. Et un sorceleur doit désirer des armes puissantes. Je peux vous offrir celles de vos rêves. Et aussi un corps plus agile que jamais. Un esprit vif comme l'éclair. Un charme irrésistible avec les femmes. Mais je propose surtout une grande aventure. Une expérience inégalée. Le destin des seuls élus. Ça paraît très généreux. Et tout ça contre un petit coup de main. Vous ne me demanderez rien d'autre. Si. De l'honnêteté. Et vous? Vous prétendez avoir de nombreux talents. Vous ne pouvez pas vous en occuper? Voilà le problème. Notre pacte stipule que pour obtenir mon dû, je dois d'abord exaucer 3 souhaits de Von Evreck. Cependant, je ne dois pas les exaucer moi-même, mais faire appel plutôt à... Comment dire? Un intermédiaire. En fait, il vous faut une bonne poire. Oh, plutôt un allié. Et j'ai dans l'idée que je n'en trouverai pas de meilleur que vous. Qu'attendez-vous de moi? Pour commencer, rendons visite ensemble à Von Evreck. Ensuite, eh bien, nous improviserons. Je crois cependant que tout finira pour le mieux. Et alors, nous nous retrouverons tous les trois pour nous remercier de ce voyage. Bon, passons aux choses sérieuses. Je croyais qu'Holger avait droit à 3 souhaits, ou vœux. C'est le cas. Il peut nous demander 3 choses, mais il faut le voir pour savoir de quoi il s'agit. D'accord, j'irai voir Holger avec vous, mais je ne vous promets rien. Je n'en demande pas plus. À présent, effacez cette foutue marque. Naturellement. Dès que vous aurez accompli votre tâche. Allez-y, vous ne le regretterez pas. Je vous rejoindrai là-bas, j'ai une affaire à régler en chemin. Une autre dette à recouvrer? Possible.